lui dit, oh là là, oh là là, je ne sais plus que faire, il souffre tellement. Au village, il y a un moujik, il paraît qu'il est très fort. Vous savez très bien qu'il n'y croit pas. Puis c'est le meilleur moyen pour le mettre hors de lui. Ah oh là 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 là, mon Dieu, comme il souffre. Oh mais je vais devenir folle. Si seulement il pouvait savoir ce que j'endure. Oh oui, mais cela se voit. Mais vous souffrez plus que lui. Et si au moins cela pouvait le soulager. Oh mon Dieu. Oh, je ne peux plus le supporter. Je crois que je vais me trouver mal. Allez. Une gorgée de vodka, vous ferez du bien. Tu crois? Oui. Allez, donne. Oui. Oh, on verra, on verra. Et voilà! Je crève, voilà qui s'assiffle ma vodka! Oh, tu es injuste, Maxime! Madame était sur le point de s'évanouir! Eh bien, de mieux en mieux, c'est moi qui souffre comme un damné, et celle qui s'évanouit! Mais passe-toi ça! Oh, cela peut te faire du mal! Rien ne peut faire plus de mal, madame! Mais, enfin seulement, si vous vouliez m'écouter, Maxime Petrovitch! Quoi encore? Le vétérinaire! Quoi, le vétérinaire? Mais, il est aussi dentiste les jours de fête! Je l'ai vu arracher les dents! Tiens! Paf! Comme ça! Oh, tu vas te faire l'encore d'arracher les dents, c'est une tête! Bah! Mais quand t'as souffre! Quand t'as souffre! De la camomille pure! Mais un diable! C'est ton bouillon de sorcière! Je me suis déjà ébouillanté! Ah, vous êtes bons, tous bons, hein! Là, de me faire arracher les dents que Dieu m'a donné par un vétérinaire et l'autre m'ébouillanté vivant! Ah! 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 Oh, 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 mes amis, oh, j'ai compris deux choses en ce bas monde. Il y a ceux qui ont mal aux dents, et ceux qui n'ont pas mal aux dents. Et ceux qui n'ont pas mal aux dents ne comprendront jamais ceux qui ont mal aux dents. Oh, oh. De la camomille pure, c'est très bon. Ma grand-mère. Mais que ta grand-mère est de camomille, c'est incroyable. Je t'en supplie. Respecte-toi si tu ne nous respectes pas. Trouve autre chose. Je n'ose plus. Mais ose, vieux les arroses. Il y a un moujik. Oh, donc son moujik. Zacharie. Zacharie. Un sorcier? Non, un innocent. Innocent de quoi? Seulement innocent. Il a un pouvoir. Un pouvoir? Il connaît une incantation qui t'enlève la rage des dents comme avec un main. C'est vrai, c'est l'histoire de bonne femme. Que Dieu me foudroie. Mais alors, mais qu'est-ce qu'on attend? Vous ne pouviez pas y penser plus tôt? Voyons, Maxime, tu ne peux pas croire à ces balivernes, là. Quand on a mal aux dents, madame, comme j'ai mal, on est prêt à croire n'importe quoi. Comment diable il s'appelle? Zacharie. Qu'on amène immédiatement ce Zacharie. Et c'est qu'il n'est plus au village, le Zacharie. Il n'y est plus. Mais où est-il? Mais non, mais comme il se faisait vieux, son gendre l'emmenait avec lui à la ville. Mais qu'on l'attende et qu'on aille chercher ce Zacharie immédiatement. Tu as l'adresse? Non. Mais l'imbécile! Mais par contre, je connais le nom du gendre. Avec le nom, c'est facile à trouver. Il y a qu'à... Mais le nom, non, je l'ai, le nom! Oh Dieu, mais c'est bête, mais je l'avais sur le bout de la langue, là. Mais tu ne te souviens pas, toi, Anouchka? Je ne l'ai jamais su, je connais pas le genre, moi. Il ne manquait plus que ça! Mais il tolère le nom! Mais Dieu, que c'est bête, je l'avais là! Au bout de la langue. Et voilà qu'il s'envole comme un petit oiseau. Mais je t'en foutrais, moi, des oiseaux, c'est mental. Ah oh oh. Mais mon Dieu, mais... Mon Dieu, mais... Tuez-moi, crucifiez-moi, je n'en peux plus. Un nom si facile. Un nom de cheval. De cheval? Oui, oui, oui. De cheval. Bon, il se rapporte et se rapproche du cheval. Comment il se rapporte? Ah, je vois. Quelque chose comme la bride. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Mais ben, ce n'est pas la bride. Oh. Ou alors, tourne-bride.
Ou trotteur. Trotteur. Oui, j'ai dit trotteur. Ah, trotteur. Ce n'est pas trotteur. Percheron. Percheron. Mais qu'est-ce que tu vas inventer là, toi, percheron? Peut-être harnais ou gnou. Gnou. C'est de cela que tu rêves. Pâturon, sabot, crête. Palefrenier, étrier, cellier. Hein? C'est pas cellier. Il y a quelque chose comme ça, mais ce n'est pas ça. Trousselier ou t'étais cellier. Hélas, non. Ou alors, quelque chose comme ovipare. Alors, tu dirais complètement. Non, mais c'était pour la consonance. Mais qui crève avec sa consonance, qui crève. Ou alors, galopin, hein, c'est pas galopin. Ce n'est pas galopin. Mort, ce sangle, sanglier. Oh merde. Et pourquoi pas chevalier ou chevaux légers. Non, 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 non. Ah, attendez. Attendez. Ah bah non, bah c'est reparti. Hippo. Hippique. Non. Hippophage. Non. Hippocampe. Non. Hippopotame. Non. Hippopotame. Non. Hippopotame. Non. Un nom de cheval, on te dit. Mais on appelle bien les hippopotames les chevaux des fleuves. Mais puisqu'on te dit que ce n'est pas de l'hippopotame. Mais c'était seulement pour t'expliquer. Mais au diable, une explication au diable. Pégase. Pégase. Non. Pégase. Pégase. Un nom de paysan russe, on te dit. Mais comment peut-on être bête à ce point? Trouve-moi un paysan russe qui s'appelle Pégase. Imbécile, va. Oh, je te prie d'être poli. Mais je suis comme je suis. Une imbécilité est une imbécilité. Goujat. Mufle. Mais Pégase. Pégase. Maxime, pardon, Maxime. Épargne-moi, épargne-moi. J'ai deux enfants bas âge, t'en supplie. La cuvette de l'eau vite. L'abcès a crevé grâce à cette petite main diligente. Dieu soit loué, j'étais sûr que c'est madame qui trouverait. Mais c'est tout de même bête. C'est un nom que je connais depuis plus de 20 ans et que j'avais là sur le bout de la langue. Mais puisqu'on n'en a plus besoin. Et on a fait atelier pour rien. Si, c'est très bien. Justement, vous pourrez aller à la ville. J'ai là une liste de courses et pour Maxime Petrovitch, et pour moi, et pour la maison. Attends, je ne sais pas si j'ai pensé à l'avoine pour les chevaux. Ah! Qu'avez-vous, André? Un malaise? À l'avoine! À l'avoine!